Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter 3 easter eggs sur Fortnite Battle Royale. Donc 3 petits secrets qui sont depuis la nouvelle mise à jour. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le premier secret que je vais vous parler, ce sont des emplacements où vous pouvez carrément modifier les plateformes qui y sont déjà installées. Donc comme vous pouvez le voir ici, cette chaise géante, où il y a bien sûr des coffres, bien sûr de temps en temps, il y en a un ou deux, peut-être même plus, je sais pas. Mais ce qui est spécial dans cet emplacement, c'est que regardez, on peut modifier les plateformes, même si ce n'est pas nous qui les avons construites. C'est le jeu qui les a construites et il nous permet de modifier les plateformes si bien sûr on est les premiers à essayer de les modifier. Si maintenant quelqu'un viendrait essayer de modifier la plateforme que j'ai modifiée, je pense qu'il ne pourra pas la modifier comme je suis passé au préalable avant. Donc là vous avez vu qu'il y avait un coffre. Il y a aussi des munitions qui se trouvent juste en dessous mais qui ont déjà été pris, comme le coffre a déjà été pris. Et là je vais vous montrer un deuxième emplacement d'objets comme ça qui est modifiable aussi, mais qui est un géant lama et qui se trouve au-dessus de Junk Junction, que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, comme je vous avais dit, le lama il se trouve juste au-dessus de Junk Junction. Donc là il y a quelqu'un qui y va justement avant moi. Donc regardez, qu'est-ce qu'il va faire. S'il passe par la tête, c'est pas mal, moi il n'y passe pas, donc tant mieux, je vais y passer. Et regardez ce qui est bien, c'est ça le secret en fait, c'est que si vous arrivez sur la tête et que vous êtes le premier à le faire, ben vous pouvez directement modifier la plateforme pour rentrer. Pas besoin de la casser, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc en dessous, ben vous faites pareil, vous modifiez la plateforme, vous sautez, vous récupérez tout ce qu'il y a. Il y a aussi un, parfois deux, parfois trois coffres. Donc ça dépend la chance de l'autre quoi, tout simplement. Et voilà, donc là je l'ai tué au calme. Donc là je vais remonter dans la plateforme. Regardez s'il a pris. Ah ben peut-être qu'il a cassé carrément le coffre. Parce que normalement il y a un coffre. Là il n'y a pas de coffre. Donc voilà, c'est pas très grave. Mais regardez, c'est comme tout à l'heure, on peut modifier les structures du bâtiment. Donc c'est assez utile. Surtout quand on arrive en premier, on change les bâtiments comme j'ai fait. Et après, ben, vous avez un petit avantage sur l'autre si il n'est pas au courant de ça, quoi, tout simplement. Donc le prochain secret que je vais vous parler, en fait, c'est l'animation qu'ils ont rajouté depuis la nouvelle mise à jour. En fait, déjà, ils ont rajouté un terrain de foot, un mini foot ici, juste à l'emplacement que je vous montre, entre Tilted et Snoopy. Mais aussi à Pleasant Park, il y avait un terrain de foot juste là. Et en fait, ils ont rajouté l'animation. Donc maintenant, quand vous mettez un but dans, dans le cadran, bah, tout simplement, eh ben vous avez une petite animation et vous avez même les scores qui s'affichent à droite. Donc sur un grand poteau, les scores ils s'affichent aussi. Ce qui est bien, c'est que les buts ne sont plus destructibles et vous ne pouvez pas détruire aussi le truc qui indique les scores. Donc là, je vais vous montrer le nouveau terrain de foot qui se trouve entre Tilted et Snoopy. Et vous allez voir que je ne pourrai pas détruire ni les goals, ni le poteau qui affiche les points. Donc voilà, là j'arrive près du terrain. Un truc qui n'est pas très normal, c'est qu'on voit le terrain à travers les tuiles. Je ne sais pas si vous le voyez. Normalement, vous devriez le voir. Donc en se rapprochant, ça a l'air de s'effacer. Donc petit conseil, si vous venez voir le terrain de foot, même si vous venez d'en bas de terre, dirigez-vous toujours vers le haut pour voir s'il y a personne qui est en train d'y jouer justement, parce que on sait jamais que vous rentrez et qu'il y a 4 personnes, pour éviter de vous faire défoncer. Donc là il y a l'air d'avoir personne, donc c'est nickel. Regardez, je rentre dans le bazar et là vous allez voir que là il y a déjà le truc de score qui s'affiche, donc 0-0, et regardez, je peux pas le détruire. Par contre vous pouvez détruire ça, ça vous pouvez détruire. Donc après ça fait moins mini foot, mais bon. Après, ben ici, ben regardez, je vais marquer un goal. Et vous allez voir, il y aura une animation qui s'y met. Donc voilà, je le mets en un coup. Je suis vraiment PGM. Et regardez, ça fait 1-0 pour moi. Donc voilà, alors regardez, on ne peut pas détruire ni les paniers, ni les trucs de foot. Regardez, hop, je ne peux pas détruire le goal. Et je ne peux pas détruire les scores. Donc voilà, ça c'était le petit secret, le deuxième petit secret avec l'animation qu'ils ont rajouté tout simplement. Donc maintenant on va passer au troisième et dernier secret. Un petit dernier but pour la route. Donc ça fait un 1. Et si quelqu'un vient jouer au foot pendant que je suis pas là, ce sera égalité. Voilà, 1-1. Et aussi il faut savoir que ça va jusqu'à 5. Donc le premier à 5 a gagné. Donc j'avais déjà fait un match comme ça avec les poteaux. C'était vraiment pas mal. Alors le prochain easter egg, le troisième et le dernier easter egg que je veux vous parler, c'est les nounours. Donc il y en avait déjà avant la mise à jour, mais là ils en ont rajouté un qui est vraiment très étrange, que j'ai vu chez Monsieur Dalek. Donc en fait regardez, ici on le voit, hein, on voit un gros nounours dans une voiture. Vous allez voir quand je vais ouvrir
je vais casser le mur, et ben le nounours va disparaître. Regardez bien. Donc là, on le voit toujours, et regardez, il va disparaître tout seul. Voilà, il a disparu. Donc je sais pas pourquoi ni comment ça se fait qu'il disparaît. Peut-être que c'est un bug, mais voilà, c'est un easter egg non résolu, ça. Et là, je vais vous montrer un autre truc qui se trouve à Pleasant Park. Donc je vais aller jusqu'à Pleasant Park en espérant que le nounours y est toujours. Là, le nounours que je vais vous montrer est très bizarre parce qu'il y en a, plusieurs dans la map. Je ne saurais pas vous dire tous les emplacements, mais il y a plusieurs emplacements de nounours, genre une nounours qui se trouve dans une baignoire, dans une chambre, sur un lit. Et en fait, vous allez voir que quand je vais viser le nounours, il va devenir le pointeur de mon viseur va être rouge. Et quand je vais tirer dessus, parfois il y a une fumée mauve qui en sort, comme si je sais pas, comme si ça a enclenché quelque chose. Donc je sais pas du tout, c'est un easter egg encore pas résolu, mais si jamais vous avez des informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc là, je vais aller jusqu'à Pleasant Park vous montrer ça. Donc le nounours que je vous parlais à Pleasant Park, qui se trouve dans la troisième maison, donc celle-là tout en bleu, hein, juste ici. Donc le nounours se trouve justement là, regardez. Bon, je vais y aller vers le bas. Donc, je vais prendre une arme et vous allez voir, quand je vais le viser, le viseur, mon pointeur va devenir rouge. Et quand je vais tirer, ah ben non en fait. Le pointeur ne devient plus rouge, donc apparemment c'était un bug avant. Avant, quand on visait les nounours, le pointeur devenait rouge. Et est-ce que si je tire dessus, il y aurait de la fumée mauve? Non, il n'y a plus de fumée mauve. Avant, il y avait de la fumée mauve qui en sortait. Donc apparemment, c'était un bug. Mais voilà, je pense alors que le troisième easter egg n'est pas un easter egg, mais c'était juste un bug. Comme le nounours qui disparaît dans la voiture que je vous ai montré juste avant. À mon avis, ça doit être un bug. Donc voilà, maintenant je suis fixé, je pensais que c'était un easter egg, mais apparemment non, dommage, j'aurais bien aimé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potes, allez, ciao, peace.